Et bonjour à tous les amis, c'est Joachim pour vous retrouver pour un nouveau gameplay sur League of Legends. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on se retrouve sur un gameplay un peu spécial parce qu'on va reprendre les règles de base de League of Legends. Pourquoi? Je vais vous expliquer très rapidement pourquoi on reprend les règles de League of Legends. Simplement, vous voyez mes amis là à droite, on a fait une partie il y a une petite semaine à peu près. Ils m'ont littéralement défoncé, bon évidemment c'est avec humour hein, que je dis ça, enfin je veux dire, dans la vérité, je l'ai pas mal pris, si c'est normal, hein. Ils ont des niveaux que je pourrais décrire de monstrueux comparé à moi. C'est-à-dire que moi je commence juste à m'en servir, du coup ils m'ont donné quelques conseils qui sont au final avérés très utiles. Petit 1, après petit 2, on en a reparlé un peu à côté, j'ai pris d'autres conseils, etc. etc. Donc aujourd'hui, voilà, on est avec une vidéo de Skylar que je vais faire en description, je vais la voir. Et je vais la regarder et jouer en même temps pour essayer d'assimiler quelques trucs de base. Alors voilà, vous allez l'entendre, vous n'allez pas la voir. Peut-être que je ne sais pas encore caser une vidéo dans une vidéo. C'est un peu compliqué si vous voulez, hein. Mais bref, on va essayer. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Alors, Castro, c'est quoi? C'est en gros, je joue un personnage, je ne demande pas trop d'attention. Ok. Et j'essaie Pas attention, aucun personnage de base, donc aucun des autres déjà. Alors, j'avais essayé de dire où en gros j'essaie d'égaliser des kills à chaque fois. Sauf que malheureusement, en fait, si je n'y arrive pas, bah. Enfin, en gros, c'est compliqué. En gros, si je joue ma vie, bah, on gagne. Il y a 4 ans, il est mis à jour depuis quand même, hein, mais bon. Si la gamme, enfin, en gros, alors oui, non. Alors, J'espère que comment tout ne expliquer? change En gros, pas. là, en bas de nous, il y a Irelia, Ekko, donc. Enfin, on joue très très bien pour gagner parce que même si ils sont pas très forts, en fait, ça va être une bonne, c'est Voilà. que bah, on peut avoir un C'est vrai que Magiar, je sens mal quand même. justement, et un Bull, des Diego. Ok. Non, on devrait être très grand. Hein. Du coup, on joue là pour jouer sérieux. Donc, on va devoir jouer sérieux, on va essayer de contrôler les joueurs au maximum, mais c'est très difficile. En gros, cette game là, en l'état, elle est très difficile à gagner dedans. Ok, donc c'est pas très rassurant. Là, combien de persos? C'est combien de persos? Ok. Tout? Bah, j'ai débloqué pas des persos ou. Ah, je pensais que j'ai débloqué des persos quand on m'a demandé après tout ça. Ok, on dit un peu des persos. Enfin, on va commencer une partie, on va reprendre Jinx. Moi je vous dis, j'aimerais bien jouer avec Jinx et me personnaliser dans Jinx. C'est où? C'est cool. Ah, c'est des quêtes. Ah, ça le révèle aux autres. Ok, j'écoute toujours les conseils à côté, ne vous inquiétez pas, je suis dans le temps. Ouais, c'est des pièges. Au début, je croyais que c'était des petits robots, après on m'a dit que c'est des pièges. Ou alors on prend le perso qu'on m'avait dit. En fait on m'a dit qu'il y avait deux persos, enfin moi j'ai deux persos que je jouais, donc Jinx et Nasus. Même que deux très techniques à jouer au final. Nasus qui est pas trop mal en fait non plus. On m'a dit qu'il fallait prendre tous les sorts également. On est tous avec le fait de la vidéo, finalement j'écoute pas donc ça, je suis dans les sorts, tout ça. Il faudrait que je la regarde en fait en entier, mais je ne pas très passionnant dans la même vidéo. Difficulté, vous voyez. Ah, ok.
Ouais, si, mais juste, en fait, je ne croyais pas que je prenne la résistance. Je prenne la résistance à la magie. Ok. Ouais, ça, on m'a dit que c'est pas beaucoup de choses qui, hein, le E. Alors maintenant, je me sers aussi de mes touches. Avant, je me servais d'appuyer vers en bas. Maintenant, j'ai plus sur mes touches pour une fois. C'est ça qui est bien. Il laisse son ennemi proche. Okay. Ça va être chaud. Je vais pas encore faire tous les sorts, je vais tout faire. Tiens, j'ai compris qu'il y avait des... Comment ça s'appelle ? Des objets qui pouvaient être utilisés, en fait, et qu'il faut pas tout le temps en fait, prendre un objet différent. Je vais essayer de me concentrer sur la résistance magique. La ceinture des jambes, il faut me parler de ce côté, la ceinture des jambes est conseillée. Moi, c'était pas un mode de jeu classique, on avait fait un. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, que des héros contre des héros dans une zone, dans une ligne droite, il n'y avait pas de jungle et tout. On m'a dit que Jungle aussi, ça aidait pas mal mon équipe. Alors, je vais essayer d'aller un peu de jungle aujourd'hui. Je me sens tellement nul, si vous saviez. Genre là-dedans, hein, mes amis à droite, ils sont tous hyper puissants. Ils sont tous des monstres, ils m'ont littéralement éclaté les dents. Mais c'était amusant quand même. Il devait être 6h du matin. Je veux dire, à 6h du matin, je leur en voulais pas. J'étais déjà dans un état second en train de rigoler des queues, quoi. Et le pire, c'est qu'il était super gentil, il donnait des conseils et tout. Bon, après, c'est complètement défoncé. Et surtout, je n'entendais pas tous les conseils, parce qu'avec le bruit du jeu, c'était un peu compliqué. Je pense qu'il y en a au moins deux ou trois qui m'ont donné des conseils que j'ai pas dû entendre, j'imagine. Donc, mais vous voyez, j'essaie, on va dire, avec quelques petites améliorations. Bon, on va essayer de faire un moment d'avoir un peu la vidéo. Il y a beaucoup de vidéos. Le cycle de la vie et de la mort continue. C'est ça que chez vous, de toute façon, c'est pas ils mourront. Quand j'aimerais bien jouer Jinx, plus que Nasus. Mais en effet, il faut pas besoin de. Pas besoin de trucs. Besoin de savoir qui le. Pas besoin de savoir qui, quoi. Top, mid. On va donner en fait. Dans le long, on va passer par la jungle, je sais pas s'il faut leur dire, parce que c'est pas sûr en fait. J'en sais rien. Ce qu'on m'a dit, la jungle, c'est, ça aide notre équipe aussi. Il fait beaucoup ça, Skyr, je trouve. Au début de vidéo, en tout cas. Au début de vidéo. Je sais pas si c'est la bonne vidéo que je pense à regarder. J'espère. Mais, ok, donc, niveau, je vais te comparer un premier niveau très rapidement. Juste pour savoir après si on peut faire des conseils ou pas. Ouais, là on a quand même des niveaux, voilà, ça c'est pareil, c'est désavantagé, mais en notre faveur. Genre, le maximum c'est 8, nous c'est 13. Ok, on a un niveau 3. Après, ils ont un niveau 5, 6. Là, on a 6, 6, 7. Ouais, c'est à peu près équilibré finalement. Alors, ça me fait un peu chier quand on est de l'autre côté à niveau 10. Alors qu'au-dessus, alors qu'avant ils ont pas au-dessus de niveau 10. Alors, je sais pas si c'est le niveau change les choses dans la partie. Ou si c'est au niveau du skill ou au niveau du. Juste au niveau du style, en tout temps de jeu, j'en sais absolument rien. Mais bon, on va essayer quelques nouveaux trucs. Mais ils disent qu'il faut que je me concentre sur les gros objets avant les petits. Vous donnez plein de petits conseils comme ça, je vais essayer de les rallier à un niveau. C'est bon. Vous me donnez quelques petits conseils. Ils sont super gentils parce que les gens comme ça, qui donnent des conseils, je ne remercierai jamais assez de m'aider. Que le jungle c'est le roi qui aime le plus les autres. Ok, donc on va commencer par améliorer ce que je vais faire le plus. Je pense que je vais faire le plus. Et donc, c'est quoi tout ça? 38. Ouais, j'ai pas tout ça avant. Wow, je suis en train de me perdre là. C'est... Oula, ça a changé, les trucs qui vont changer. Merde, ça a changé. Il y a une mise à jour, merde. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Cap du néant, viens, on va prendre ça. Pour l'instant, vous savez quoi? Oh, ça a changé, merde. La grâce. 30 secondes avant l'apparition de sbire. J'ai déjà éclaté avant. On va essayer d'aller là.
Ok. On va essayer d'éclater quelques monstres déjà. Sinon, éclater quelques. Voilà, c'est pas éclater ça, c'est pas éclater. Le ciel est constellé d'étoiles. On va éclater quelques monstres du coup. Des sbires sont apparus. Non, si je trouve rien. Non, mais sérieusement. Oula, on a un ennemi sur le tour. Juste là, toi. Ah, j'ai mal passé mon sort, c'est quand même vraiment mal. J'ai vu un, je me suis dit, je vais essayer de le tuer, mais ça va pas. J'ai fait éclater plus qu'autre chose. Le jungle, ça aide ma team, mais non. L'aube possède. C'est quoi ça? J'ai fait un truc là. C'est juste là. C'est quoi? Qu'est-ce que tu me montres, petit point? Est-ce une chose que je peux affronter? C'est un monstre. Ouais, ça va être un peu dur, non? Il peut pas défoncer là, non, mon gars? Jungle, ça va être patine. Encore faut-il que je gère un jungle, non? Ah, j'ai déjà rien. Jungle, ça va être patine. On peut se faire tout avec dans la jungle, ou... Ouais, genre des chiens de tête. Qui sont en train de faire non défoncer. Le passé. Il a retourné. De toute façon, c'est des lignes, il a. Mais là. Ah, c'est très débile de tourner. On va retourner sur le mur, pas garder le moyen. Ce serait très débile. Ok. J'ai envie de dire, je travaille d'être un meilleur joueur, mais ça serait tellement la honte de pas réussir déjà à tuer un bot, quitte à mieux juste se taire en fait. Un item conseillé. C'est pas quoi faire, faut juste un gros item avant d'en faire un second. Attends, c'est comme ça. Généralement bon, efficace contre ça. Et l'attaque. Dégagement. J'ai pas envie de mieux récupérer mes dégâts en fait. Enfin, je l'ai fait ça, c'est bien fait. Mais c'est 33 secondes. Oh vache. Ah! Ils ont parlé de ça? Ok, bon, ok. C'est ça qu'ils me disaient, je pense. On va acheter donc tous ces objets. C'est parti, on va focus un gros objet, donc je focus les viscères. Un ennemi a été tué. Je focus le machin du coup, c'est parti, on fonce. En espérant qu'ils voient jamais la vidéo, ils vont voir appliquer leurs conseils de façon débile. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Jamais faut trouver mes vidéos, de toute façon. Pas sur League of Legends, ce cas. Sur Among Us encore, il y a des moyens, il y a des moments où ça passe, mais bon. J'ai rien de plus. J'arrive plus loin que ça. Ouais, vous avez bien compté ou pas? Non, vous êtes un petit peu détaché. Ok, j'essaie des trucs. Mais là, ils sont vachement plus forts. J'ai perdu trop de temps en fait à découvrir le jeu. Donc ça. Et je vais acheter ceci à mon épée après. Non, on assemble un objet. Vous allez dire que je passe en bataille du coup? Interruption. Non, je vais pas dire ça. Meurtre en série. Mais carrément, c'est sympa. Leur mort. Vous avez tué un ennemi. Quoi? Pardon? J'ai tué un ennemi? J'ai pas bougé de ma base? Ok, j'ai tué un ennemi apparemment. Alors, on va se focus sur des gros objets. J'ai perdu trop de temps, je gagne pas d'XP. Je suis en train de faire de la merde, cette partie, ça commence mal. Entre la vie et la mort. Là, pour l'instant, je suis vraiment en retard sur les vidéos. Genre, il y a un monde où je devais normalement. Pas le coup à tout. Oh, dingue! Non, raconte-moi par là, pour moi! Ok. Non, raconte-moi par là. C'est un bon boulot. Ma tour qui a plus de skills que moi, quoi. Ah,
tuer à moi. Oui. C'est bon. Vous avez tué un ennemi. Je suis trop bon. Je suis pas avec le boss pour rien du tout. Alors du coup, ça se passe comment? Ça va pas phaser les objets. Genre j'ai toujours le même. Genre j'ai toujours ça et ça. Je me sens débile. Genre mon épée elle est où? On m'a dit de me focus sur de grands objets, mais j'ai l'impression de pas réussir. Alors, pour ça. Non, je change juste la place. Un allié a été tué. Ah oui, tu veux dire. Ah oui, tu viens de dire un combat. On peut dire que t'assumes, mais moi. Ah vache. Ah ouais, c'est ça, hein. J'ai pas vu le truc en main, là, hein. Ils sont deux. Ah, t'es bien sûr du deux. Bien sûr du deux, tranquille. Ah, j'ai pas fini, quoi. Il a mouru. Bon. Tu focus. Tu focus plus. J'ai été le rocher l'autre, c'était ouf. Super important les pièces. Le jour du jugement. Exécution. Oui, ça veut faire le malin, mais ça fait vite après. Voilà, quand on avance, ça recule. Quoi. Moi, je recule parce que je sais qu'il a un sale incline, je pense. Et un monde en plus c'est une très malade. Un allié a été tué. Donc voilà, vous m'en doutez un peu. Parce que là, il y a la tour là-bas. Si eux, ils une fois qu'ils ont défoncé nos troupes, il reste pas grand chose. On va faire un peu, on va pas faire tout le mal en fait. Un ennemi a été tué. Il faut quand même deux, on va pas faire non plus trop les malins. Un ennemi a été tué. Vous êtes au courant que je suis vraiment nul à ce jeu. Un tank, c'est l'HP, l'armor et la résistance magique. Moi j'ai des PV, j'ai pas mal de PV que ça rend. Je me sens vraiment un robot quand je tue un mec, je suis vraiment assez basique de tuer un mec. J'ai pas fait cacher, mais c'est nul que je fais. T'es morte? Là, ça va pas marcher, ça va. Elle va nous attaquer, lui, je vais pas attaquer elle. Ouais, elle va se rendre un peu plus de la tour. Interruption. Ah, il est mort. Un peu plus de la tour, c'est impossible. Elle. Ils sont deux comme ça, j'ai compris ce qu'ils disaient maintenant, j'ai beaucoup la technique de jeu. Alors, je sais pas si je suis là. Attends, je suis mal là, non? Je suis carrément mal là, non? Moi, ça passe. C'est GG ça! Ah ouais, cassez-vous, c'est bien ce que je fais, c'est du noir. C'est un amour, il me rattrape de nous. C'est un monde où s'il me rattrape. Ah, ça part comme ça.
Non, c'est pas fini, je crois qu'il était mort. J'ai ça maintenant, c'est super efficace contre. Ça, ça me donne de la déplacement. Je crois que c'est tous les bons conseils des gens avec qui j'ai joué. Ce jeu devient un monstre à ce jeu. Là, je deviens un monstre à une urgence. J'ai deux personnes que je vais citer. Ils s'appellent Max et Létal. Et tous les ceux qui vous avez également, mais c'est pas ça qui m'a donné un conseil que j'ai plus retenu. Oula, j'ai fait attention au prix, j'ai fait attention, je suis focus sur les messages de conseil là. Wouah, c'est pas que c'est bon, c'est pas que c'est pas que Vache, wouah, c'est dégueulasse. J'étais pas du tout focus sur le jeu, c'est horrible. C'est un petit bouton B, il est là également. Il est là, c'est quelqu'un. C'est mort, non ? C'est le boss. J'ai fait un outil pour rien, juste pour gagner un peu de vie, c'est défoncer du coup le renard, ça n'a pas trop de bon sens. Un ennemi a été tué. Moche. J'ai envie d'aller au milieu pour aller. J'ai pas du tout de jungle, vous avez dit jungle, c'est vraiment le cas pour faire un petit peu. Ah non, c'est pas ça, mais pas ça. C'est pas un petit peu, c'est rare. Oh, je suis content parce que je tue des ennemis dans ce jeu en vrai. Je peux toujours faire des conseils que je vous donne. Pas de dormir. Mais... ceux-là sont excellents. Les boucliers des tourelles sont sur le point de tomber. Mais me trouve à moi, il n'y a plus. J'étais à la 10 secondes de plus, donc je devais mourir par... Votre âme sera jugée. Je suis en train de vous. Non, j'ai pas mon bouton Z, j'ai pas mon bouton à prendre. Vas-y, je fais 3 kills, je suis trop fort. Merci, t'as des boss. Ça fait bien. La team est une boss. Non, le bouton il est pas encore prêt. Oh, vraiment des conseils qui se perdent là, faut les écouter ces mecs là. Ils savent mieux jouer que moi, faut que je les écoute, et quand je les écoute, je gagne. Merde. Merde, on a. Ils ont un avantage avec moi. Oh, j'ai pas assez de mana. Il y a du mana absolument. Je suis trop en retard. Vas-y, recule. Ok, faut que je recule un peu. Comment est-ce qu'à ce qu'on arrive et que je suis mort? Ok, tant pis, il n'y a pas de mal. Tiens, quoi? Non, recule, recule. Là, ils vont arriver. Ah! Nous, on les attend. Merde, j'ai pas mieux. J'ai toujours pas mieux. Merde.
fait froid, et que je le veux. Enfin, le mana c'est chaud en fait, mana. Alors, je suis généralement bon, Ça c'est efficace contre. Parce que du coup, j'aurais pas le coup de l'acheter. Ah, c'est cool. Généralement bon. Je traverse les âges. J'espère vraiment que je suis bon dans ce que je fais. Parce que sur 16 minutes de game, c'est tout. Du coup, d'être à fond dans ce que je fais, d'être bon dans ce que je fais. Vas-y, vas-y. Enfin, ceci. Ça a peur, je le vois là. Ils sont en train de fuir, je sais pas où ça fuit, mais ça fuit. Ah, ok, là, je suis là-bas, je vais pas les braquer non plus, je vais voir les gars, mon pote. Monsieur Kaneki, Kaneki Ken. Ah, bah alors. Bah alors. Clairement. C'est super fort en fait de ralentir avec lui. Oh vache. Eh mon pote est bon, on est fort. Kaneki, Kaneki, je l'aime beaucoup. Attends, ralentis un peu. Ça se prend. Je suis mort en train de tuer. Vous avez tué un ennemi. Oh mon. C'est trop fort mon pote. Ah Kaneki, t'es un putain de boss. Oh Kaneki, je t'adore. T'es un boss Kaneki. On est des chiens Kaneki. On est des boss Kaneki. Sache-le. On va vite faire un tour. Oh. Et ça les dommages. Ils sont les boss. Je suis trop fort, je suis en train de faire le mec arrogant et tout, alors que j'ai absolument rien fait. Enfin, c'est faut se dire, du coup, du tout rien, je suis trop j'en suis fier en fait. C'est une victoire genre jouée. C'est une victoire à mes jeux. Genre je sais pas rien, alors qu'un truc que j'ai trouvé dans lui, mais... Quand on barre, on gère en fait. J'ai l'impression qu'on gère avec une copie, parce que c'est comme tout. Du tour à toi, on est super bien, on recule un peu. Attends, on va les scrolls, attends. Non, je peux pas. Je peux pas faire une fois pour quand même. On est dans les ouais. Les petits sortes, on les fume. Ils vont pas avoir plus de la leçon pour les défendre, pour les défendre. C'est bon, on se casse. Oh les gars, je vous jure, je vais les mentionner et les remercier en fait. Je vais sur Discord, je vais les mentionner tous les deux, je vais dire un gros merci, je vais vraiment les gars, c'est une vidéo. Ah, le bon, le coup, je fais le coup, je vais prendre le courrier, tranquille. Normalement, je fais toute ma vie pour le courrier, mais j'en ai rien. Je suis extrêmement fort. Alors, je vais juste faire les pas, ça. C'est fort que aussi que je vais faire. Je n'ai pas 400. Merde. Ah les gars. Je vais vraiment les mentionner dans un autre truc. Un avocateur s'est reconnecté. C'est des boss ? Votre équipe a détruit une tourelle. Juste, c'est des boss, les mecs. C'est des boss. Faut les écouter quand ils parlent, d'accord ? L'inhibiteur ennemi ne va pas tarder à réapparaître. C'est des boss de boss, les mecs. On va peut-être prendre 400 pour grimper et faire ça. Voilà, hop, on fonce. On va foncer au milieu cette fois. Non, on va aller développer quand même.
Ça c'est pas de pas prendre le même chemin que on passait par la jungle. Est-ce que ça vaut le coup du coup de défoncer des monstres encore maintenant? Genre lui qui a failli me défoncer par exemple. Non, je suis pas juste. Je suis pas juste que j'arrive. Il y a des Kaneki. Kaneki le boss. Alors Kaneki, comment ça va? Kaneki survit pour la vie. Vas-y, on avance à 3, les gars, ensemble. Ensemble, on peut le vaincre. Ensemble, on peut le vaincre. Il a fait ça comme nous. J'en ai rien à faire. On va se toucher ce qu'on arrive là et qu'on va passer de tout là. C'est le prochain, hein. Voilà, là. C'est voilà. J'ai fait confiance là, c'est une belle confiance. Ah ouais, il a tué mon ennemi. Peut-être pas un ultime pour ça, c'était peut-être pas très utile. J'ai peut-être laissé un petit peu emporter. Oh, il est en train de me défoncer aussi. Ah, c'est sûr qu'on me défonce aussi, mais. I love my team. Ça monte d'ici notre mort? Ouais, moyen. Non, 50, ça se gagne pas comme ça, j'imagine. Généralement, bon, c'est une anti-armure, ça sera pas comme moi. Est-ce qu'on attend ou pas? Parce que mais là, on, techniquement, on gagne, donc est-ce que ça vaut le coup ou pas d'attendre encore? De toute façon, je peux l'acheter. Ah, si, parce que tout va s'actualiser, tout va se prendre en même temps. Si j'ai ramené 50, je vais l'acheter. On a 10 secondes, 40, 41. Ouais. Oh, on a des super sbires alliés. Oh. Oh, les monstres. Je guette depuis des siècles. C'est des monstres. On a des super sbires maintenant, tout ça. En fait un petit peu un ennemi a été tué. L'évolution de la bataille quoi. Si on dit a été tué. C'est moi, c'est bon, c'est moi. J'aime des poupées. Oh, oh, oh. J'ai été courant dans ce coup là je crois. C'est bien qu'il me fonce. Ah mais j'ai enfin il me fonce. C'est cool d'en monter un peu au niveau. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Un ennemi a été tué. Yeah. Vas-y, tu as raison. Est-ce que tu es gentil? Oh, je suis un peu mort, mais peut-être une personne, non? Ouais, ils me dépêchent aussi, mais souvent, ils me dépêchent. Ouais, je pars aller pour la boutique. Non, c'est tout, c'est intéressant. Je veux dire, c'est pas intéressant, mais je veux dire, je sais pas, c'est l'argent pour tout ça, tout ça. Doublé. Oh,
C'est des boss, c'est clairement des boss. Kaneki qui est qui a vraiment. C'est pas un niveau ça déjà. Niveau supérieur, niveau 8. On a des runes. Oh, 6300 essences bleues, on va acheter un nouveau personnage. Il a adoré jouer avec moi. Ça va être Kaneki aussi, j'imagine. Regardez ça. On a 18 champions, tu en as tué plus de champions que tout le monde. Boum, 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 on est des boss. J'ai jamais fait d'aussi belle game. Oh, 11 000 points, on a plus de points que toute la game. On a défoncé, on a géré comme des oufs. Vous savez quoi? Je vais les mentionner en vidéo. Je vais vraiment. Et je vais arriver à le faire. Je mets hop. Et d'un. Il est où le deuxième? Il est où le deuxième? Je l'ai vu, non je l'ai pas vu. Et là, hop, et je peux dire merci pour vos conseils. Merci pour vos conseils. Voilà, deux points d'exclamation, parce que là vraiment, c'est plus facile comme ça. Là, on va mettre ça, on va mettre Céline. Ah, c'est des putains de boss. C'est quoi ça? Sbire tué, 60, c'est pas trop mal. On a pas mal, ouais, on a moins, hein. Et puis chercher les kills des sbires. Et ils ont pas compris que j'ai existé sur l'un quand même. Mais on fait gérer la game en fait. Genre. C'est où les skins qu'on peut. Non, les champions, pardon, on peut acheter les champions. On a quand même 4600 petites larmes bleues. Ça ferait plaisir de les acheter un petit champion pour 6000. Pour retourner acheter quoi. Ou un skin, on peut acheter un skin? Non, un skin c'est cette truc là je crois. Ouais, voilà. Parce qu'on aurait bien acheté un skin pour Jinx, mais ou pour Majus. Est-ce qu'on peut acheter un petit champion? Lequel on va acheter? C'est des boss. Franchement, Max et tous vous êtes des boss. En une game, vous m'avez fait faire une partie qui était plus marrante à jouer que toutes les games que j'ai fait avant. Toutes les games étaient sympas, mais genre celle-là était vraiment amusante parce que je viens de défoncer les gens. J'ai une vidéo tuto bientôt. Non, je sais pas, c'est pas là, je suis pas assez fort pour ça. Les arrive, putain. Franchement, alors lui, c'est le perso que j'avais, c'est le perso que j'avais quand on a été faire ma partie, justement, je me suis fait de la gueule, hein. Sachez-le, littéralement. C'était pire que les massacres. Maroka, Evermel, Gatling, Kandel, Iria, Soraka, Soleil, les Blancs. Il parlait beaucoup d'un personnage quand ils jouent entre eux aussi, c'était Sami. Je crois que c'était un enfant, je l'avais déjà vu au début du jeu. Samira. Ouais, il jouait beaucoup Samira aussi apparemment. Mais j'aime beaucoup mon personnage aussi, hein. Bon, on a acheté un aléatoire, on peut faire aléatoire et hop, acheter. Ah, c'est ça, on dégage. On dégage, je crois que c'était genre. Je pense à rien de spécial. Mais j'ai envie d'acheter un truc genre aléatoire, genre. Parce que je suis bien si on est avec Nasus en fait. Et voilà quoi. Je sais pas en fait. Je sais pas parce que. Ils sont bien tous perso, ça vaut le coup de tester, mais vous voyez, je suis bien avec un perso pour l'instant, je suis défoncé avec un perso. J'ai pas pris tous les sorts encore. Ils m'ont dit, ouais, Tad et Maxil, ils m'ont dit qu'il faut apprendre tous les sorts. Évidemment, parce qu'il y a ah, Maxil, en plus, j'ai juste. Tad, non, Tad, il était pas là, parce que c'était en fait une partie de. C'était une partie de Minocturne. Bref, mais ce que je veux dire, c'est que. Je suis bien avec. Il faut que j'apprenne tous les sorts de tout le monde, normalement. Mais du coup, je sais pas qui prendre en fait. Et si on faisait dans l'ordre, attention, et j'achetais tous un par un, comme ça. Non, ce serait pas bien. C'est classé par quoi? Date de sortie. Ouais,
une date de sortie Ouais, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de sortie? Si, dans notre train, peut-être, même à la limite. Je pense que c'est plus ancien, tu vois, on pourrait commencer à prendre par les plus anciens, hop. Voilà. Et bien. On va les acheter comme ça, les personnages. Franchement. Franchement. Est-ce qu'on est là pour s'empêcher des petits plaisirs comme ça, quoi? Exception pour elle, parce que là, j'avais déjà visé la première fois. Donc, une petite exception. Ok, donc on va également. Parce qu'en fait, le but c'est d'avoir les personnages après. Et plus tu sais jouer les personnages, plus c'est boussé, quoi. Je suis chaud pour checker un petit truc, déjà c'est où j'en suis. 40 minutes pour s'arrêter. J'aurais été chaud pour une deuxième partie en fait, mais après, non, on va pas faire de deuxième partie. On va s'arrêter là. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà super. Franchement, je suis encore sous le choc d'avoir réussi à faire une belle game. Je vous avoue, je suis super nul au jeu d'habitude. Enfin, vous voyez, j'ai pas excellent. Là, on a fait des games de ouf. J'ai suivi leurs conseils. Alors, est-ce que c'est des conseils pour jouer pro? Bon, peut-être pas encore. Mais c'est, pour moi, en tant que débutant, c'est des conseils qui m'ont fait progresser en flèche. Donc, je les remercie. Si on regarde cette vidéo, ils sauront à quel point je les remercie de toute façon. Je les remercie plus à l'oral qu'à l'écrit. À l'écrit, je leur ai dit merci pour vos conseils. Et toi, ils ont compris pourquoi. Mais franchement, ils sont géniaux, ces deux-là. C'est eux qui m'ont le plus appris. Après, il faut apprendre à la dure. Je veux dire, il y a des gens qui m'ont dit, on va pas laisser, on n'a pas laissé super gentil, on n'a pas dit super gentil non plus. J'ai acheté ça, j'avais pas vu le personnage. Il m'a dit, on n'a pas été super gentil, mais c'est normal, il faut prendre à la dure. C'est comme un jeu, comment il s'appelle, Winter Project. C'est pas. Faut prendre à la dure, c'est mieux après, on en sort mieux. Bref, ce que je vous propose du coup, c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour continuer à appliquer ces conseils. On essaiera un autre héros, vous savez quoi? Ce que je vous propose, c'est que. Ouais, avec lui, c'était facile. Elle, je l'ai visé, j'ai dit que j'avais visé, donc c'est quoi ses compétences? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle frappe jusqu'à 3. J'aurais pu zoomer derrière? Genre, c'est des dégâts ici? Ah ouais, je pense que c'est des dégâts ici. Oh, c'est cool! C'est sa résistance magique. Ok. Brièvement impossible à toucher cette réponse. Ça n'a pas l'air d'être le genre de perso que je jouerais. Akali. Akali, ils en ont parlé. Ils en ont parlé en disant, ils ont dit quoi sur elle, sur Akali? Ils en ont parlé. Je sais que ce nom est sorti. Akali, ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Le message. Moi, je suis d'accord avec l'un des deux, c'est que y a aucun screenshot sur Nasus en vrai. C'est ça qui est cool pour moi. Justement, c'est ça qui m'a arrangé en fait. Je suis sûr qu'ils ont parlé d'Akali, je l'ai lu ce nom. Ah voilà. Manamune sur Akali bien meilleur. Je connais pas Manamune. Ok, c'est quoi la compétence du coup? Okay. Ça ralentit les ennemis. C'est plus de ralentir les ennemis, j'ai vite compris. Temporairement. Ouais, c'est tellement peu. Après, faut rester dans le truc de fumée, et pour moi, c'est chaud. Le premier ennemi, une nuage de fumée touchée est marquée. Cool.
Exécutant. Ok, Akali, ça pourrait être pas mal, potentiellement. De toute façon, je vais noter mes personnages qui sont intéressants, vous savez quoi. Conversation privée avec des potes. Ouais, quand j'ai des potes, c'est plus facile pour moi. Donc, Akali, on peut tenter. Alistar. Alistar, mon pote, tu fais quoi? Prochainement les airs. Alors, dégâts magiques, c'est cool, parce que je sais pas si j'en ai pas fait grand. Il a fait la renversée. Ça, ça peut pas trop mal pour gagner du temps. Il tourdira la cible. Montre. Je comprends rien à ça. Ça, je sais que Maxil l'a joué quand on était en train de faire nos combats, justement, où je me suis fait laminer la gueule. Je sais qu'il jouait ce héros, mais. Oh, ça c'est pas trop hostile, c'est pas assez agressif pour moi. Enfin, là, juste, c'est pas super agressif, mais. Amoumou, tu me fais quoi? Il s'approche de lui. Ouais, ça a pas l'air super non plus. Oh, c'est super violent. Le mec, il est super triste, c'est super triste comme pouvoir. Et en malédiction, on va plus utiliser. Malédiction. C'est quoi ça? Les deux amis proches, quand vous me touchez des bonnes personnes. Plus de 0,5 secondes. Bon, ça a l'air mieux comme personnage. Dans sa malédiction, alors j'en ai deux. De toute façon, c'est son ultime, donc c'est trop rare, donc ça dégage. Annie. Alors Annie est dans son compétence. Plus de fait magique qui a fait des dégâts, et quand maman m'a rendu jusqu'à temps, je détruis la cible. Ça c'est rare, je pense. Ça c'est cool. Ouais, des règles de base. C'est rare quand même, selon moi, quand je joue une partie, c'est rare qu'on fasse des règles de base quand même. Ça a pas l'air d'être trop mon style de jeu. Là, on est axé quand on a accès dégâts. Ok. Contrôle de foule. Contrôle de foule, c'est pas mal ça. J'aime bien le contrôle de foule. Ça a pas l'air d'être trop le style de jeu que j'aime bien. Vous savez pas, on va le noter entre parenthèses, amis. Ça peut être pas mal, mais. H, au début, le perso de base, toi, non. Pendant la durée du sort. Ça peut être pas trop mal, ça. Tir givrant. N'importe quel endroit de la carte. C'est fort ça. Enfin, je pense. On est quoi? On est contrôle de foule là-dessus? Ouais, on est comme l'autre. On est comme Annie. En vrai? Pourquoi pas? On est venu sur des dégâts. À distance, c'est peut-être pas mal. Pareil, je vais mettre H, je vais la garder de côté, c'est pas en parenthèse, je vais la garder dans ma liste. Docteur Mundo. Alors, dis-moi, tu fais quoi? L'équivalent à l'époque sont des pénétrations de ce type. Je me demande s'ils arrivent, ce qui est bon d'apprendre tous les pouvoirs par cœur, de tous les persos, pas forcément que les miens. Là, j'essaie d'appeler bien déjà, et je me demande si eux, ils ont réussi à apprendre tous les persos par cœur. Dans son coup, j'ai une dégâts équivalent à l'époque sont des pénétrations actuelles de sa cible. Et la ralentissant un court moment, c'est cool ça. Alors, je vais garantir une fois élevé, donc rendu, ça touche une cible. Ah, c'est pas sûr qu'il la touche. Ouais, c'est du skill shot. Je suis pas sûr de donner ses propres prédits, je suis pas sûr. Hein? PV. Je suis pas chaud de jouer un perso qui sacrifie ses PV. Effectivement, la régulation de ses PV. Non, je suis pas chaud pour jouer quelqu'un qui sacrifie ses PV en fait. Et vu, je sais déjà plus que fait. Si, ouais, ça. C'est pas la chose qui arrive déjà. Ici. Dégâts. Un peu de résistance.
pour la lucidité et la mobilité. Donc elle ici, c'est plutôt la possible de cibler pour que pas trop mal sur le dans la merde. Sa vitesse de déplacement, c'est pas mal pour fuir. Ouais, bah, pas mal pour fuir en fait, parce que. Résistance magique. Mais est-ce qu'on est beaucoup à la résistance magique? Je comprends toujours pas pourquoi c'est des dégâts celui qui est derrière. Donc dans des combats, elle est forcément comme ça. C'est un pouvoir, ça. C'est les lettres P, c'est un pouvoir. Il a juste fait un truc un peu. On va faire de cette façon. Donc elle, ça va être entre parenthèses aussi. Parce que je me pas forcément full ses pouvoirs, quoi. Donc modifier, hop, Evelyn, ça c'est bon. Donc Jinx, ok. Miss Fortune, j'ai pas beaucoup joué, est-ce que c'est visé compétences, ça va pas être mieux. Alors Miss Fortune, c'est une bébé. Ok. Les actes qui sont derrière. Ok, ça c'est pas mal. Ça, ça a l'air aussi pas mal, mais après, ça révèle une zone, genre, c'est des ennemis cachés. Du coup, critique chaque vague. Miss Fortune, c'est pas si mauvais, en vrai. C'est un perso de base, mais c'est pas si mauvais, je trouve. Pas besoin de tout booster une shot. À part ici, on a besoin d'un certain skill shot, c'est mon... Il y a un mot avec le double de l'univers. Hop, on va la noter. Miss Fortune, ok. Et Nasus, on va même parler d'Asus parce que la compétence en P, c'est pas ici. Je vais faire ça. Je suis nul au point de pas savoir. D'accord. Pourquoi pas, ça m'étonne pas en fait en même temps. Mais ok, c'est bon de savoir que j'ai envie de le mettre dans ma liste aussi. J'ai envie de faire un tirage au sort entre tous ces persos. Alors, peut-être les dans la liste. Et je ferai un tirage au sort entre les 6 persos. Donc, j'ai Akali, Annie, Ash, Evelyn, Miss Fortune et Nasus. Je ferai un tirage au sort entre les 6 persos. Et je prendrai le perso. Voilà comment c'est. Mieux, je vais faire mieux. Je vais faire un sondage sur Discord. Exactement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter la vidéo ici. Je vais vous laisser déposer votre meilleur pouce bleu sur la vidéo pour m'encourager à continuer à faire des games aussi extraordinaires. Je vais également vous encourager à vous abonner à cette chaîne pour être au courant de toutes les vidéos League of Legends qui vont sortir et autres vidéos qui vont sortir le reste de la semaine. Je vais également vous encourager à partager la chaîne avec vos amis ou des gens que vous connaissez si ça peut vous intéresser. Ou pour vous moquer de mon gameplay, vous avez le droit aussi de toute façon, c'est autorisé. Et je vais aussi vous encourager à follow mes réseaux sociaux chacun à côté. L'utilité de ce que chaque réseau social a une utilité particulière. Mais si vous voulez participer au vote, que je mettrai en ligne à 15h pile, exactement, je vous encourage à aller sur mon Discord et à être prêt à recevoir une notification. Ça se peut qu'il soit déjà à 15h, je vais laisser à 15h pile, non, peut-être pas à 15h pile, je vais mettre à 17h. 17h, je mettrai donc un sondage et je vous encourage à voter pour savoir quel personnage je vais jouer tout simplement jeudi prochain. D'ici là, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter de tenir bon par ce confinement, en espérant que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, et on se retrouve soit la semaine prochaine, du coup, 15h également pour League of Legends, ou alors on se retrouve